Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoolomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Rocket League Live de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 récompenses à débloquer, donc il y a un planeur, un aérosol, une émote et un sac à dos. Donc pour débloquer ces 4 défis, ces 4 récompenses, vous allez devoir réaliser 4 défis. Et ces défis, vous allez devoir les réaliser en mode créatif dans une map bien précise. Donc la map, c'est la Rocket League Live Deathmatch. Donc pour vous aider à trouver cette map, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos modes de jeu, ensuite d'aller dans le code de l'île, et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 82056994205. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Vous acceptez la map, vous mettez bien sûr le mode de jeu en public pour pouvoir tomber sur d'autres joueurs, parce que vous allez devoir éliminer des adversaires et infliger des dégâts. Donc il vous faut absolument d'autres joueurs. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous êtes sur ce tapis rouge, tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement d'avancer. Ensuite vous choisissez votre côté que vous voulez, donc Endpoint ou SMG eSport, bah, ça change un peu à chaque fois. Là on va choisir le bleu, hop. Donc on a choisi l'équipe bleue. Ensuite on va descendre pour sélectionner nos armes. Donc ici vous avez le choix entre toutes ces armes-ci. Donc moi je vais garder l'assaut rifle, le fusil d'assaut de tracker. Ensuite ici on va prendre une petite PM. On va prendre celle-là. Voilà. Donc vous appuyez sur carré. Hein. Et là vous voyez que la petite lumière s'allume pour l'arme que vous voulez. Et là je vais prendre un bonus de dégâts. Hop. Parfait. Donc là j'ai sélectionné mes armes. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller. J'ai choisi l'équipe bleue. On va essayer de voir si je peux aller directement dans le truc orange ici. Ouais, ça ne change rien, ça m'emmène quand même du côté bleu. Et là ce que vous allez devoir faire pour terminer les défis, c'est d'infliger des dégâts et d'éliminer des adversaires. Donc il faut savoir qu'il y a 4 défis. Il y a 2 défis qui est d'infliger des dégâts aux adversaires, et il y a 2 défis qui est d'éliminer des adversaires. Donc vous venez dans la map ici, et là tout simplement ce que vous allez faire c'est d'attaquer les adversaires qui sont dans l'autre camp bien entendu. Donc là c'était ah regardez, il y en a un qui s'est caché. Il est en haut là-bas, hop. Vous lui infligez des dégâts, donc rien qu'en le touchant vous allez déjà terminer l'étape numéro 1, hein. Enfin, un des 4 défis. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer les adversaires. Donc là, je ne comprends pas. Je vois que j'ai des ennemis en dessous de moi. Donc il y a peut-être sûrement un sous-sol. Alors regardez, ici, ça c'est le camp orange. Donc moi, je fais partie de la team bleue. Mais si maintenant je dépasse cette ligne rouge, je me fais toucher par des dégâts. Et si les adversaires sont là, je ne leur inflige aucun point de dégâts parce qu'il y a un mur invisible qui les protège. Ok, apparemment c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, et regardez, effectivement il y a bien un sous-sol. Vous avez des munitions en illimité, donc profitez-en, et là essayez de tuer un maximum d'adversaires et de faire un maximum de dégâts pour terminer les 4 défis. Dès que vous aurez terminé les 4 défis, bah là vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de Rocket League Live de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolomike et ciao. Peace. Yummy, bro. Yummy, bro. Yummy, bro.